que je préfère les rapporter à la maison et regarder ça tranquillement chez nous. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, tu m'as dit toi-même qu'il ne fallait jamais signer avant d'avoir bientôt relu. Ah oui, d'accord, bon, bah, écoute, on s'assoit et on relit tout jusqu'à de la première jusqu'à la dernière ligne, comme ça tu pourras bien voir que je t'ai pas fait dans ton loup. Pourquoi tu te fâches? Je me fâche pas du tout, allez, comment tu... Si, t'es furieuse. Bon, d'accord, je suis furieuse, mais je vais essayer de me contrôler. Allez, on passe à la lecture. On va pas dîner? Non, on va pas dîner, non. Non, puis tu ramènes ces papiers chez toi, hein, tu les lis bien à la loupe, comme ça tu pourras bien voir que je t'ai pas volé. Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien. La part d'une si jeune femme, c'est vraiment inouï. Mais laisse-moi tout de même tarauder ta conscience, car tu as tout de même un sens moral. Ou bien, réponds-moi, tu n'en as pas peut-être. Les hommes sont tombés sur moi quand je marche à la rue. L'autre jour, à Saint-Tropez, leurs yeux me foudroyaient. Au golf, au restaurant, dans les grands magasins. Je me sentais foudroyée par tous ces regards d'hommes. Et quand Alice a donné sa soirée, tu sais, pour les cousins de Toulon, les plus beaux garçons de la bande, ne m'a pas quitté d'une semelle. Même quand je suis allée dans la salle de bain, il a fallu me faire la porte à clé. Ah bah, fallait laisser entrer. Bon, on s'est mis en bosse comme ça, puis on bosse vite, puis on arrête pas après. Bon, Franck, on n'est pas sur le train. Comment ça? On s'est peut-être pas compris, hein. Tu comprends même pas refaire le train de la dernière fois, genre tu me chauffes, et puis au moment de s'y mettre, il n'y a plus personne. Non, hein, attends ça. Ah. Embrasse-moi. Je suis enrhumé. Tu sais très bien que j'attrape jamais des microbes. Embrasse-moi. Mm-hmm.